merde. En fait, à la mort de Simone Veil, on a voulu lui rendre un hommage. Là-bas, c'était, on s'est dit on va mettre une affiche. Et il a été directement tagué de messages haineux, messages homophobes, messages antisémites, etc. Et nous, on s'est dit, mais c'est pas possible en fait. On pensait que c'était acquis, en fait, ça l'est pas. Et on s'est dit, bah, si c'est pas acquis, c'est pas une affiche qu'il faut en mettre, c'est plein. En fait, c'est un dessin qu'on a fait avec le collectif à partir de trois photos. Une photo de Simone adolescente, la survivante des camps. Une photo de Simone mère, de ses trois fils qui se bat pour avoir le droit de travailler. Et ensuite, une photo de Simone plus âgée, la femme politique. On a fait un portrait intemporel pour incarner en fait cette grande dame. Faut pas négliger d'avoir une mémoire des combats menés. Pour beaucoup de jeunes filles et beaucoup de femmes, c'est naturel d'avoir accès à la contraception et à l'avortement, mais ça a été un combat de haute lutte pour les féministes en Europe et dans le monde. Et même son parcours de résilience, tout ce qu'elle a subi et comment elle a su à chaque fois transformer ce qu'elle a vécu en quelque chose de positif. On trouvait ça sympa de pouvoir l'afficher dans la rue, qu'on puisse se souvenir de son visage en fait. Parce qu'on se rend compte qu'on peut vite oublier à partir du moment où les gens ne sont plus là. Déjà d'aller au Panthéon, c'est un honneur et bah, je pense qu'elle le mérite. Et voilà, donc c'est un petit truc en plus. C'est elle qui a permis l'avortement donc en France, donc moi je trouve ça vraiment bien.